Le mystère de la souffrance, Paul J. Lindel, ouvrage de 1974, édité en langue française en 1979. Lecture de la quatrième de couverture. Je vous dois la vérité. Vous avez un cancer. Tout à coup, et pour la première fois, je me trouvais face à la frontière ultime. Les souffrances, les maladies, les angoisses et les chagrins qui affligent partout, les hommes et les femmes, avait à présent prise sur moi. Comment allais-je les affronter? Les 5 années qui lui restaient à vivre, Paul Lindel les utilisa à réfléchir aux questions fondamentales de la vie et plus particulièrement au sens de la souffrance. Il l'aborda d'une façon non pas théorique mais très pratique, au milieu des douleurs. Ancien missionnaire, il connaissait bien sa Bible et pourtant, il lui fallut du temps pour mettre en pratique ce qu'il avait si souvent lu. Et le refrain de ces derniers jours fut « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Ce livre nous conduit à une plus profonde compréhension de ce qui est autour de nous, la souffrance, la peine, la douleur, mais aussi le soutien et la puissance du Dieu qui nous aime. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder et à profiter des 700 ouvrages que nous avons numérisés pour vous et téléversés sur médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez les télécharger en PDF ou en Word. Nous préconisons à chaque fois la version en PDF. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube, ainsi que les différents cantiques que nous mettons en parole, les audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'Écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.